Bonjour mes amis, ravi de retrouver. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment calculer le chiffre des unités d'un nombre très grand. Par exemple, 99 puissance 99. Quand vous prenez un nombre, par exemple, 247, si vous prenez 247, vous le divisez par 10, il va nous donner 24 et le reste 7. Donc 7, c'est le nombre des unités. Donc on cherche un nombre congruence équivalent avec la congruence 10. Donc si on prend 99, on a 99, il est équivalent à 9 puissance 10. Si on fait 99 au carré, c'est 9 au carré, c'est 81 la puissance équivalent à 99 au carré est équivalent à 81 modulo 10. Or 81 est équivalent au 81 est équivalent à moitié de 10, donc 99 au carré équivalent à modulo 10. Et là, le nombre cherché, c'est 99 à la puissance 99. On va faire une division euclidienne de 99 par 2. Si on fait 99 par 2, on va donner 4. 49 et il reste 1. Donc on va prendre ici 99 puissance 2 à la puissance 49 est équivalent à 1 modulo 10. Ça veut dire 99 à la puissance 98 est équivalent à 1 modulo 10. Il ne me reste juste un seul pas. 99 est équivalent à 9 modulo 10. Si on fait une multiplication, 99 la puissance 99 plus 1 équivalent 1 fois 9 modulo 10. Donc 99 puissance 99 est équivalent à 9 modulo 10. Autrement dit, il existe un cas partie à n ou bien un z, si 99 la puissance 99 égale 9 plus 10 fois k. Autrement dit, le chiffre des unités de 99 la puissance 99 et 9.